les amis, bienvenue sur la chaîne de Bentley, la chaîne de ma maman. Et avec nous, vous allez visiter le jardin du muséum. Comment ça s'appelle comment ça? C'est une poire. Mais non ça. Ah oui, ça s'appelle les calmos. Tu manges au Maroc? Les quoi? Les calmos, c'est les figues de barbarie, on peut l'appeler. Okay. C'est juste comme ça une catégorie de maïs. Non, parce que ça, c'est du maïs pourri, ça. Ça et regarde, ça. C'est écrit le repas du hérisson. Il y a des grenouilles qui vous attendent. Et alors, la famille verte? Regarde, mets-le. Attends. Mais ça aussi, c'est les Amériques, Amérique du Sud. C'est des pommes de terre. C'est bizarre, hein? Ils étaient assemblés les lézards. Regarde ça, c'est des pommes. C'est des pommes, un pommier. Regarde maman, c'est des pommes. Oui, j'ai vu. C'est quoi? Ça s'appelle les fenouils marins. Et attendez, vous n'avez pas vu les têtes d'un kangourou. Ça, c'est des oreillers de poète. C'est mignon, hein? Oui. Mais regarde les cheveux d'ange. Voilà. Ok, ah, vu? Ouais. À l'époque, mon arrière-grand-père le faisait avec du champignon. Mais non, ça va. Non, moi je vais venir avec. C'est le corps de ruche. C'est où la maman fait ses œufs. Maman, c'est la reine. Et c'est où il y a les naissances. Non. Vous voyez, l'agriculteur touche rarement à cette partie-là. Après, on met des os. Bon, là, les os servent aux abeilles à entreposer leur miel. Et plus elles ont, on va dire, un caractère fermé. Doucement, pour que les abeilles les piquent, tu vois. Et après, il y en a. Ah, tu as vu toutes les abeilles? Et là-dedans, c'est là qu'il y a le miel. Voilà, donc là, Frédéric a remis le couvre-cadre. Il couvre les cadres, parce qu'il y a 10 cadres dans une ruche. Et donc, il vous montre un de ces cadres qui est là. Oh, c'est moi. J'ai pas vu. C'est la vitre, c'est moi. On peut y aller. Merci. Bon, rapidement. Elle va l'amener dans l'opercule. Avant, elle va faire un effet chimique avec les autres abeilles pour faire de la prophylaxie, se passer de bouche à bouche le nectar pour casser les enzymes. Bon, c'est plus complexe. Les gens ne comprenaient pas pour avoir du miel en pot. Et maintenant, quand je vends du miel comme ça, ils me disent, mais c'est pas du miel de chez moi, pardon. Du miel de chez moi, donc vous voyez que c'est du miel qui est un peu différent. Vous avez passé un agréable moment avec nous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager les vidéos.
À bientôt, moi, et on vous fait de gros bisous, on vous adore.